Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Magali Berda explique qu'elle reçoit beaucoup de menaces à cause des bonbons finis qu'elle vendait et qui n'étaient finalement pas halal. Je vous laisse avec sa story. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je prends la parole aujourd'hui parce que vous savez que ça fait des mois et des mois qu'on me met des polémiques sur le dos tous les deux jours, hein, sans exagérer. Je pense qu'il y en a vraiment une qui sort tous les deux jours. La justice fait son travail et pour l'instant elle le fait tellement bien et encore une fois je la remercie à chaque fois que je prends la parole. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a eu 15 arrestations en tout. Il y a en tout 14 personnes qui vont être reconduites au tribunal correctionnel, dont une personne incarcérée. Bref, donc voilà, c'est quelque chose que je subis qui est très grave et très lourd parce qu'on n'arrête pas des gens comme ça dans toute la France pour rien. C'est qu'il y a vraiment des faits qui sont gravissimes. Là, il y a un tweet qui a été fait, donc une nouvelle polémique aujourd'hui que Booba a encore une fois mis sur le tapis. Parce que, écoutez, voilà. Donc, cette fois-ci, cette polémique, je prends la parole parce que c'est une polémique qui touche. Donc, cette fois-ci, c'est une polémique qui touche la religion et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que, d'une, j'ai énormément de respect pour toutes les religions. Moi, ceux qui me connaissent le savent. J'ai pas besoin de m'en justifier. Vraiment, j'ai été élevée vraiment dans la tolérance, dans le respect de tous. C'est mon éducation. J'ai pas de souci avec ça. Et franchement, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que moi, je suis croyante et que je sais ce que c'est de. Et puis en plus, je subis actuellement beaucoup énormément même de trucs antisémites. Donc, je sais ce que c'est quand on touche à la foi de quelqu'un, à la religion de quelqu'un, enfin c'est très difficile à vivre. Donc je suis obligée de prendre la parole là-dessus parce que Booba essaye encore une fois de manipuler les gens pour leur faire croire que j'ai vendu des bonbons halal avec de la gélatine de porc. Donc je vous explique, il a posté un tweet avec un concours que j'avais fait en 2017. Je crois que c'était en 2017. Comme vous pouvez le voir, il écrit dans son titre de la gélatine de porc dans les bonbons halal. Merci qui merci Magali Berda. Donc ça veut clairement dire, voilà. Donc il sait très bien en faisant ça que je vais me prendre une vague de haine très grave parce que c'est super grave et parce que voilà, c'est des sujets qui sont très sensibles et parce que c'est grave, on va pas se mentir. Sauf que c'est pas vrai. J'ai pas vendu de bonbons halal avec de la gélatine de porc. Le concours que j'ai fait date de 2017. En fait, j'ai ouvert un site internet de confiserie en 2017. Alors le tweet date peut-être de 2017 ou 2018, je sais plus exactement, mais c'est très vieux. Et sur ce site internet, je vendais plusieurs marques de bonbons. Enfin, j'avais le droit de vendre, enfin, c'est un multimarque en fait, hein, comme le magasin Géant Casino, Carrefour ou l'épicerie. Ils vendent des bonbons Haribo comme des bonbons finis, enfin aujourd'hui encore. Donc j'ai fait un concours, tout simplement, il n'y a rien de plus. Et puis là, il est parti poster donc, un article que je vais vous poster pour argumenter son accusation qui est genre super grave et même dangereuse. Parce que je me prends des menaces depuis tout à l'heure encore qui sont horribles parce que effectivement il y a des choses qui sont sacrées, faut pas toucher, je l'entends, hein. J'ai pas de problème avec ça, je mange cachère, je mange pas de porc donc je comprends, mais en fait je n'ai strictement rien à voir, en fait faut pas mettre des polémiques là où il n'y en a pas, il faut pas cibler des gens parce que c'est super grave parce que argumenter son accusation, il a posté un article. Je vais vous le poster. Alors, comme vous le voyez, l'article date de 2010. Hein, ça, il l'a bien caché. Lui, il laisse bien apparaître le titre « Merci qui ? Merci Magali Berda d'avoir fait ça ». Mais en 2010, je vendais des mutuelles. J'avais pas du tout de site de bonbons ou de confiserie. Puisqu'encore une fois, il a posté d'ailleurs... la publication de ma société qui date bien de 2017 en plus. Mais bon, les gens ne voient pas que l'article date de 2010. Donc, il ne me concerne pas. Voilà, c'est tout. Ça ne me concerne pas. Alors, ils ont peut-être eu une polémique en 2010, j'en sais rien.
Mais en tout cas, en 2017, il n'y avait pas de polémique, puisque sinon, on en aurait entendu parler. Enfin, vous voyez, surtout que c'est vendu à Géant Casino. Enfin, nous, on les vendait sur le site, mais ils vendaient en même temps. Et ils le vendent d'ailleurs toujours. Moi, je fais plus le site, mais ils le vendent toujours au Géant Casino. Ils le vendent dans toutes les épiceries en France. Ils en vendent partout dans le monde entier, dans tous les magasins. Voilà, en fait, j'ai aucun rapport avec cette histoire, et c'est créer des amalgames encore pour aller attaquer les gens. Il y a une blogueuse qui a fait un réel aujourd'hui, qui l'a repris tout de suite en Magali Berda. Je vais vous poster le titre. Blogueuse qui a posté. Je vais vous montrer le titre de la vidéo et je vais vous montrer à quel point c'est facile de créer des polémiques et des amalgames sur les gens. C'est ouf en fait. Ça me franchement c'est hallucinant. Enfin c'est, je sais pas. Je trouve que dans notre époque c'est choquant. De pouvoir avoir un, ben, je sais pas, raconter, hop, allez, un petit coup de buzz sur commande. Allez, on sacrifie des gens, on détruit des gens, mais c'est pas grave, on fait du buzz tant qu'on se fait voir un petit peu, c'est cool. Attendez, je vous poste la vidéo, le titre, vous allez comprendre. Donc, vous voyez, le titre qui est directement, truc, enfin, qui accuse, je fais manger du porc depuis 2016. Non, mais les gars, il y a un. Je suis pas responsable de la guerre en Ukraine, je peux pas être responsable des pizzas Buitoni, je suis pas responsable des trucs Ferrero Rocher, je suis pas responsable, je peux, en fait, faut arrêter, je me fais pas manger du, et maintenant je fais manger du porc aux musulmans, mais vous rendez compte de ce que vous dites, vous êtes suivi par des je sais pas combien de personnes, je suis aujourd'hui en danger, ça veut dire que là, à vers ça, vous savez que vous allez en venir. Il y a eu 15 arrestations, c'est pas rien. Il y en a eu 13, il y a 20, le 20 octobre, enfin là, en fin octobre, il y en a eu 2 avant. Enfin, je sais pas, c'est pas un jeu en fait. Ma vie, c'est pas un jeu. Vous voyez, je suis un être humain et à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ça, c'est des sujets qui sont sensibles et c'est des sujets en plus qui me concernent pas parce que moi, il n'y a pas plus respectueuse que moi là-dessus. Respectueuse que moi, et franchement, j'ai des amis, moi, de toutes les religions, j'ai des amis, en fait, je ne vais même pas me justifier, parce qu'il n'y a pas de justice. En fait, il faut arrêter, à chaque fois qu'il y a un problème, aujourd'hui, vous allez retrouver un truc, de devoir me le relier, ou me l'affecter, ou me le donner en responsabilité. Je veux dire, c'est trop grave, c'est trop grave, parce que moi, à cause de ce tweet, et à cause de cette vidéo à elle, je me retrouve avec des centaines, là, de messages horrible, des menaces de mort et des trucs et des machins, des trucs. En fait, je comprends pas le rapport. Si cette marque, elle a eu cette polémique en 2010, envoyez-leur des messages. Et encore, je devrais même pas vous dire ça parce que, en vrai, n'envoyez de messages à personne parce que je subis moi ça aujourd'hui. Mais après, la personne qui a fait une faute, il faut qu'elle. Je peux pas porter la responsabilité pour tout le monde, moi. C'est pas possible, en fait. À un moment donné, je peux pas. Je suis désolée. Ce n'est pas possible. Moi, cette polémique, elle était en 2010. J'existais même pas en 2010 dans ce métier, moi. Qu'est-ce que vous me voulez ? La polémique a eu lieu en 2010, si cette marque a vécu cette polémique-là. En tout cas, en 2017, tout ce que je peux vous dire, c'est que ni les grandes surfaces, qui sont quand même des sociétés bien plus grosses que la mienne, et moi, en tout cas, on n'a pas été. Enfin, moi, j'ai vendu des bonbons sur mon site, j'ai jamais eu un seul problème. Hein, j'ai jamais eu de. Enfin, franchement, c'est. Jamais personne qui m'a dit, et je pense qu'on l'aurait su, hein, parce qu'avec tout ce qu'on essaie de me chercher dans la tête, je pense que vraiment on l'aurait su et que tout le monde se serait jeté là-dessus. Enfin, je sais pas, puis même Carrefour, enfin, Géant Casino eux-mêmes, ils auraient, enfin, tout le monde aurait, enfin, personne n'aurait accepté un truc pareil. Donc, je pense que, je sais pas, poser des questions aux bonnes personnes, aux personnes concernées, mais là, c'est moi en dehors de ces histoires qui ne me concernent pas. En 2010, je vendais des mutuelles. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, en fait, c'est plus possible. J'ai une famille. Il faut arrêter. J'ai mes épaules, elles sont déjà beaucoup trop larges. En fait, je subis beaucoup trop de choses, en fait. C'est plus possible, là. Vraiment. Je comprends qu'il y en ait, comme ils l'ont écrit noir sur blanc, qu'ils ont envie d'aller jusqu'à la mort. Mais à un moment donné, c'est bon. Stop. En fait, et je sais pas. Les gens, ils attendent qu'il y ait un drame. Les gens, ils attendent soit qu'on me fasse du mal ou que moi, je me fasse du mal. En fait, c'est ça que vous cherchez. C'est tant que vous aurez pas, je sais pas, la fin, c'est là. En fait, vous cherchez jusqu'à là. C'est-à-dire que depuis le 17 mai, il n'y a plus d'arrêt. Depuis le 17 mai, on ne s'arrête plus. Tous les deux jours, un nouveau truc. C'est des trucs qui n'en finissent plus avec des histoires différentes à chaque fois. Des trucs, mais de mais en fait, ça me semble hallucinant, en fait. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Il y a, c'est comme ça. Voilà, c'est pas grave.
c'est comme ça. Je laisse la justice faire son travail, encore une fois. Mais en tout cas, sachez que cette polémique, elle est grave et que c'est faux. Et que bien évidemment, si vous regardez les dates, vous comprendrez de vous-même. Il suffit juste d'aller les regarder. La blogueuse qui a posté ce réel, on lui a envoyé une mise en demeure en lui expliquant les choses, etc. On lui a demandé de retirer sa publication parce que je recevais des tonnes de menaces encore et de messages horribles et d'insultes et compagnie, et qu'elle était complètement à côté de la plaque. Écoutez, elle ne veut pas la retirer, donc moi, à un moment donné, je suis obligée de parler parce que je ne peux plus me laisser faire tout le temps, à chaque fois. Chacun met son... Enfin, je peux plus en fait. Ça y est, c'est trop. C'est plus possible. Faut arrêter là. Ça y est. Stop.